maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a participé par visioconférence au deuxième sommet de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Il s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel un conseil des ministres sous la houlette du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. La ministre de la Femme et de la Petite Enfance est à Béché pour échanger avec les leaders religieux sur la question de la mutation génitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'avoir choisi Télé Tchad. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, par ailleurs président en exercice de la CENSAD, a participé ce matin par visioconférence au deuxième sommet de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres. La participation du Tchad à la CENSAD a été marquée par une déclaration du président de la République. Le point avec Dibrine. Ce sommet-ci devrait normalement se tenir en N'Djamena en juillet dernier, suivant la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue en février à Addis Abeba. Les circonstances actuelles liées à la pandémie de la COVID-19 ont changé la donne, obligeant les dirigeants africains à tenir les réunions en ligne. Si le format a changé, les mobiles restent les mêmes, les enjeux également. Accélérer l'intégration politique et économique de l'Afrique. Un état des lieux a été dressé à la lumière du chemin tracé lors de la dernière réunion. L'une des 8 communautés économiques régionales, la CENSAD, par la voix de son président en exercice, Idriss Déby Itno, a défendu son rôle prééminent dans cette phase importante de l'histoire de l'Afrique, non sans saluer le progrès réalisé sur le chantier de l'intégration et de la division du travail, deux sujets majeurs au centre des assises. Les résultats obtenus allant de la matrice de répartition des tâches à la finalisation et signature prochaine du nouveau mémorandum d'entente entre le président de la Commission de l'Union africaine et les chefs exécutifs de communautés économiques régionales ont été relevés par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Pour que le sommet de coordination soit une puissante locomotive de l'intégration, la CENSAD, grâce au sang nouveau qui lui est injecté, ne s'est pas empêché d'appeler à de nouvelles méthodes. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a fait part des suggestions permettant de faire passer ce cadre où sont exposés les avancées et les retards à une tribune pour analyser les facteurs politiques endogènes et exogènes qui entravent ou ralentissent le processus d'intégration, autrement dit, à tracer la voie à suivre pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans cette logique, le président de la République a invité ses pairs à se pencher sur la question du financement des programmes qui sous-tendent l'intégration, invitant les institutions financières panafricaines à faire le point des ressources nécessaires et aux formes de soutien qu'elles apportent aux pays membres, aux communautés économiques régionales et à l'Union africaine. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a marqué le soutien de tous ses pairs des pays membres de la CENSAD à la candidature de Mme Gonzi Okonjo-Iweala au poste de directeur général de l'OMC et celle de Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Dans son intervention, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président en exercice de la CENSAD, a salué les avancées notables qu'enregistre le continent sur la voie de l'intégration. L'Afrique doit se tourner vers l'Afrique et développer un partenariat stratégique pour être plus fructueux avec le reste du monde, a indiqué le chef de l'État. Nous l'écoutons dans un extrait proposé par Déby Itno Alouali. Ce sommet de coordination et les évolutions en cours sur la question des partenariats extérieurs constituent des avancées dont on peut se féliciter. À cet égard, je note avec satisfaction les progrès réalisés sur la voie de l'intégration et la division du travail, deux sujets majeurs au centre des présentes assises. S'agissant de la répartition des tâches entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres, il faut apprécier positivement les matrices élaborées à cet effet
et qui est appelé à prendre une bonne place dans le futur des relations entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Cependant, ce précieux outil nécessitera certainement des concertations au sein de nos différentes organisations pour un alignement de nos programmes. S'agissant de l'état d'intégration, permettez-moi de saluer l'avènement de la zone de libre-échange continentale, l'installation progressive de ces structures de gouvernance et la poursuite des négociations autour des actes additionnels. C'est ici le lieu de féliciter mon frère le président Nana Addo Dankwa Akufo Addo, président de la République du Ghana, pour avoir tenu les engagements en accueillant le secrétariat de la ZELACAF dans les locaux appropriés. Abordons la situation en matière d'intégration dans l'espace CENSAD. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a mis en avant le rôle joué par l'organisation communautaire et sa participation dans la réalisation de l'idéal commun. Il a appelé ses pairs à faire de ce sommet une locomotive de l'intégration. Nous l'écoutons. Il me plaît de souligner que la CENSAD est résolument engagé à jouer un rôle prééminent dans cette phase de l'histoire du continent. C'est fort de cette détermination que nous avons doté la CENSAD d'un nouveau traité et installé son secrétariat à N'Djamena afin de lui donner un nouveau dynamisme. Nous verrons également à ce que notre communauté régionale participe à la réalisation d'infrastructures indispensables au commerce, au transport et à l'industrialisation. Pour que notre sommet de coordination puisse donner la véritable impulsion politique à notre noble ambition collective, il serait judicieux qu'il ne soit pas un simple cadre pour exposer les avancées et le retard, mais qu'il puisse permettre aussi d'analyser les facteurs politiques endogènes et exogènes qui entravent ou ralentissent le processus d'intégration. À cet égard, il est nécessaire que les prochains rapports sur l'état de l'intégration nous donnent des éléments qui nous permettrait de montrer à la conférence des chefs d'État la voie à suivre. De même, au regard du fait que l'intégration figure au premier rang des priorités du continent, le financement des programmes qui y concourent directement doit être évoqué plus précisément afin d'identifier parmi les ressources disponibles celles qui doivent être orientées vers les programmes. Avant de poursuivre ce journal, voici un communiqué de presse. Le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Son Excellence l'ambassadeur Amine Abba Sidik, a quitté N'Djamena ce matin pour une visite officielle au Royaume du Maroc. Le ministre tiendra avec son collègue marocain, Son Excellence Nasser Bourita, des consultations politiques sur la coopération bilatérale, les questions africaines et les relations internationales. Le Tchad et le Nigeria sont deux pays amis de longue date, déterminés à améliorer les conditions de vie de leur population. Dans ce cadre, la ministre en charge de l'énergie, Ramatou Mamadou Touin, est à Abuja depuis quelques jours pour plancher sur la question de l'interconnexion énergétique entre les deux pays. Le sujet a retenu l'attention de notre reporter Amatiya Abbas. La question de l'énergie a été de tout le temps une préoccupation majeure pour le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement.
Donner de l'énergie en permanence à tous les Tchadiens, c'était le souhait de cœur le plus ardent des plus hautes autorités du pays. Fort de cette détermination, des milliards de nos francs ont été mobilisés, mais le problème lié à la couverture totale en besoins énergétiques peine à se résoudre. Soucieux de ce secteur très important pour le développement socio-économique du pays, les autorités de la 4e République mettent le boucher double et remontent dans l'histoire. En effet, en 1976, le Tchad et la République fédérale du Nigeria ont manifesté leur volonté à travers la réalisation d'une étude technico-économique en vue de développer l'interconnexion Tchad-Nigeria pour satisfaire les besoins de leurs populations respectives dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et partant l'intégration régionale. Un motif pour lequel la ministre en charge de l'énergie est à Abuja au Nigeria, c'est l'instruction du marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, pour revisiter la nature de ces projets aussi ambitieux qu'essentiels qui datent de 1976. Pour mémoire, le gouvernement tchadien avait adopté un plan d'urgence d'accès à l'électricité avec des actions prioritaires dont le projet d'interconnexion Tchad-Nigeria figure en bonne place. La présente rencontre d'Abuja axée sur l'interconnexion de l'énergie entre le Tchad et le Nigeria marque un nouveau départ vers la concrétisation de cet important projet. Elle traduit également la bonne volonté de leur excellence, le marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, et son homologue nigérien, le général Mahamadou Bouhari, qui œuvre sans relâche pour l'intérêt socio-économique de leurs deux peuples. Il s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel un conseil des ministres sous la houlette du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le compte-rendu de ce conseil avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mabatsen. Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 22 octobre 2020 sous la présidence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. L'examen de deux projets de texte et une communication était inscrit à son ordre du jour. Au titre du ministère de la Justice, chargé des droits humains, le Conseil a eu à examiner un projet de décret portant modification du décret numéro 264/PR/MJCDH/2019 du 1er mars 2019, pris en application de l'ordonnance numéro 018/PR/2018 du 7 juin 2018, instituant le corps de la police judiciaire et relatif à l'organisation et au fonctionnement de ce corps. L'application du décret précité ayant révélé des insuffisances de fond et de forme dans la pratique, la nécessité de sa relecture s'est imposée en vue d'y apporter les améliorations nécessaires tant dans l'action de coordination avec d'autres services techniques que dans le renforcement du champ d'activité du corps de la police judiciaire. Dans cette optique, les principales améliorations proposées dans le projet de décret modificatif ont été examinées et adoptées par le Conseil des ministres. Celles-ci portent essentiellement sur ce qui suit. La création d'un secrétariat pour centraliser et coordonner les activités de la police judiciaire du point de vue de l'administration générale et assurer le relais des décisions gouvernementales concernant ce corps. La désignation de deux conseillers. Le placement du corps de la police judiciaire en tant qu'entité paramilitaire sous un commandement pour la gestion des questions sécuritaires comme les tours de permanence, la sécurisation des locaux, les interventions de maintien de l'ordre, les cérémonies militaires, etc. La création de deux nouvelles sous-directions, à savoir une sous-direction chargée de contraventions de simple police et de la santé publique et une sous-direction chargée des atteintes aux systèmes informatiques. Au titre du ministère de l'élevage et des productions animales, un projet de loi portant création d'un Fonds national de développement de l'élevage, en abrégé FONADEL, a été présenté. Après un débat de fond sur les missions du FONADEL par rapport au Fonds élevage existant, le Conseil des ministres, tenant compte de l'importance de l'élevage pour notre pays,
a renvoyé le projet de loi pour une réflexion approfondie sur le rôle à assigner à ces fonds dans le développement et la modernisation de ces sous-secteurs en lui assignant une vision stratégique globale du développement de notre pays. Enfin, le Conseil des ministres a suivi une communication de la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration sur l'état d'avancement de la préparation du deuxième forum national inclusif. Après avoir rappelé le souci permanent du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de moderniser les institutions de la République à travers une démarche inclusive et participative, ainsi que les engagements qu'il a pris lors des élections présidentielles de 2016, Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement a informé le Conseil des ministres de ce qui suit. 1. La tenue en N'Djamena du 29 au 31 octobre courant du deuxième forum national inclusif, conformément à l'engagement du maréchal du Tchad du 27 mars 2018. 2. Les travaux du comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions du premier forum et du comité de rédaction chargé de préparer le deuxième forum ont suffisamment avancé. 3. L'objectif global du deuxième forum national inclusif est de faire le bilan de 74 pertinentes résolutions du forum de 2018 et de proposer des ajustements éventuels et compléments nécessaires à la modernisation des institutions et au renforcement de la démocratie, de la stabilité et de l'unité de notre pays. 4. Des pré-forums sont organisés dans les 23 provinces pour recueillir les contributions de toutes les couches sociales dans le cadre profond sur la mise en œuvre des résolutions du premier forum. 5. Ces pré-forums ont regroupé les différentes provinces en 6 poules dans les villes suivantes: Massakori, le Bahr El Ghazal, Chariba Grimi, Hadjar Lamis, Kanem, Lac et la ville de N'Djamena, Mongo, le Bata, le Guéra et le Salamat, Abéché, le Wadaï, le Sila et le Wadi Fira, Faya, le Borku, le Nedi Est, le Nedi Ouest et le Tibesti, Pala, Mayokebi Est, Mayokebi Ouest et Tangile, Doba, Logon Occidental, Logon Oriental, Mandoul et Moyen Chari. 6. Le nombre de participants au deuxième forum est limité à 600. Pour respecter la distanciation sociale à cause de la pandémie de coronavirus. 7. Une boîte e-mail a été créée par le comité d'organisation pour permettre aux Tchadiens de l'étranger de lui envoyer leurs précieuses contributions. Commencé à 16h05, le conseil ordinaire des ministres a pris fin à 17h25. C'était là le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamadzen. La ministre de la Formation professionnelle et des métiers, Achta Amat Brémé, a reçu cet après-midi en audience le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, Dr Ngueto Tchiraina Yambaye. Les échanges ont porté sur la politique du gouvernement dans le domaine du métier. Ali Mamet Bellouf. Le ministère de la Formation professionnelle et des métiers déroule le tapis au directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS. Ghetto Tirena Yambaye est sur place pour échanger avec la ministre Achta Amat Brémé sur la politique du gouvernement dans les domaines du métier. Dans le cadre de notre partenariat stratégique BADEA-FAGAS pour l'Afrique, qui démarre au Tchad, dans nos discussions avec le président de la République et les autres départements ministériels, il ressort que la formation professionnelle doit jouer un rôle très important dans le développement économique du Tchad. Donc, je suis venu au nom de ce partenariat BADEA-FAGAS échanger avec la ministre de la Formation professionnelle pour voir quels sont les différents axes de sa politique, de sa stratégie, pour qu'on voit comment les accompagner. Tout Tchadien doit avoir un métier.
du métier pour tout le monde, une vision du FAGAS Badea bien déclinée. Un exemple. Le ministère de la formation professionnelle peut aider, par exemple, à avoir des bons maçons, à avoir des bons plombiers, à avoir autant de métiers pratiques qu'on a besoin. L'élevage, par exemple, au Tchad, c'est un secteur très important. Et le métier du berger, c'est un métier reconnu. Mais il n'y a aucune école de berger. Maintenant, il faut aussi qu'on formalise ça. On doit apprendre aux gens comment être des bons bergers. Un premier contact qui annonce un lendemain meilleur. Le couple FAGAS Badea, en tant qu'institution financière, s'est dit disposé à donner un coup de pouce au Tchad pour faciliter son émergence socio-économique enclenchée par les plus hautes autorités du pays. Merci Ali Mamad Bello pour ce reportage. La ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, se trouve depuis ce matin à Béché, dans la province de Wadaïr. En toit de fond, échanger avec les leaders religieux et les chefs traditionnels et coutumiers sur les pratiques néfastes, à savoir la mutation génitale, le mariage précoce, pour ne citer que cela. Apolline Gani était de la partie. Voici son reportage. Il est 9h30. L'avion transportant la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a atterri à l'aéroport d'Abéché. Au bas de la passerelle, c'est le gouverneur du Wadaï, le général Brahim Seyd Mahamat, entouré de ses proches collaborateurs, est venu accueillir la ministre de la Femme. Après cet accueil chaleureux, le cortège du ministre s'est ébranlé à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché. Ici, Amina Priscille Longo a rencontré les premières autorités de la ville d'Abéché, les chefs traditionnels et coutumiers. Au centre de leur échange, la lutte contre le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. Ces derniers se sont relayés pour décrier les phénomènes du mariage d'enfants et du MGF qui jouent négativement sur la santé de la jeune fille. Le gouverneur du Wadaï s'est engagé personnellement de son côté à œuvrer pour la protection des droits des enfants et des filles à travers l'application rigoureuse des lois et la moralisation des auteurs et complices de l'excision et du mariage d'enfants. Je me permets d'attirer personnellement l'attention de l'ensemble de nos populations sur les risques juridiques qu'encourent les adeptes du mariage d'enfants et des mutilations génitales féminines. J'ai la prétention de vous affirmer que lors de votre prochain passage, vous aurez enregistré une très forte proportion de nos populations qui auront abandonné l'excision et le mariage d'enfants. Le directeur général du ministère de la Justice, Majitangé Traogra, a entretenu les chefs traditionnels et coutumiers sur les différents textes et les lois juridiques interdisant les pratiques néfastes qui compromettent la santé de la jeune fille. La ministre de la Femme a relevé pour sa part que la question de lutte contre le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines implique avant tout les hommes. Le phénomène de mariage d'enfants aujourd'hui, malheureusement, a beaucoup plus de dégâts. Le maréchal, par sa volonté politique et sociale en faveur des femmes, a fait adopter plusieurs textes de loi. Je voudrais que mes jeunes sœurs du Wadaï puissent aussi profiter de cette opportunité. Et pour cela, il y a un sacrifice. Un sacrifice que doivent faire les parents, nos chefs coutumiers et traditionnels, pour accompagner les jeunes filles vers ce rêve. Et pour cela, il faut qu'on puisse avoir un réveil de conscience. Et qu'on puisse tous contribuer au développement et à l'épanouissement de la jeune fille. Parlant de ces phénomènes, le gouvernement a fixé des objectifs visant la protection des enfants contre les formes de violence, d'abus et d'exploitation. Ce, en vue d'apporter une réponse adéquate contre toutes les pratiques traditionnelles néfastes en général, le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines en particulier. Après Abéché, nous revenons ici à N'Djamena, où le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Batale Joyo, a procédé ce matin au lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation sur la cohabitation pacifique à la Maison de la Culture Baba Mustapha. C'est une initiative de la coordination des clubs des artistes tchadiens. Kadnoba Théophile. Faire de la culture un instrument de propagation des valeurs, de paix, de partage, de dialogue, de solidarité et d'humanisme. C'est l'objectif recherché par ces jeunes, regroupés au sein de la coordination des clubs des artistes tchadiens. Ceux-ci s'engagent
a mené une campagne nationale de sensibilisation et d'éducation porte à porte sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Sans la cohabitation pacifique, sans le vivre ensemble, il n'y a pas le développement d'un pays. Une initiative louable, affirme le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, qui invite d'autres artistes à emboîter le pas à ces jeunes. Le ministère en charge de la culture doit désormais intégrer des actions similaires en collaboration avec des corporations d'artistes afin que cette culture de la paix prenne sa source dans nos familles nucléaires et se répandre dans toutes nos communautés. C'est un vœu cher au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, artisan de la paix au Tchad. Déterminé à soutenir les artistes dans leur engagement, le ministre Patal Géo a accompagné ceux-ci dans quelques ménages des quartiers Kabalaï et Ambassadna, 6 au 3e arrondissement, pour véhiculer ce message de la cohabitation pacifique et de vivre ensemble. Lancement ce matin à l'école primaire de Sabangali dans la commune du 3e arrondissement de la campagne de vulgarisation de l'arrêté 377 du 4 décembre 1995 portant exonération des élèves et étudiants handicapés des frais d'inscription. Campagne organisée par le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance via la Direction de personnes handicapées en collaboration avec l'Union nationale des associations de personnes handicapées du Tchad. C'est une campagne de vulgarisation de l'arrêté 377 du 4 décembre 1995 portant exonération des élèves et étudiants handicapés des frais d'inscription. Une initiative du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance via la Direction des personnes handicapées et l'Union nationale des associations des personnes handicapées du Tchad. Elle vise à traduire dans le fait le contenu du dit arrêté dans les différentes institutions scolaires. La directrice de l'école primaire de Sabangali, Mawsouri Nadjalta, s'est réjouie du choix porté sur son établissement. Pour le représentant des personnes handicapées, Madi Telsem Séverin, il est temps de mettre en application les textes qui défendent les droits des personnes handicapées. Le directeur des personnes handicapées du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Kayirim François, a salué les efforts du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans la protection et la préservation des droits des personnes handicapées. Durant 3 jours, 19 établissements et 6 communes d'arrondissement d'Ndjamena seront sillonnés dans le cadre de la vulgarisation du dit texte. La même mission va se poursuivre dans les Mandoul au sud du pays pour le même objectif. Le lancement dans l'amphithéâtre Ngarta Tomalbaye de l'école nationale d'administration de l'atelier de formation en logistique au profit de 30 agents de l'État. Cet atelier de formation est organisé par l'ENA en collaboration avec le projet d'appui à la justice au Tchad. Phase 2. L'atelier vise à renforcer les capacités des agents dans l'élaboration des tests juridiques. Abdelaziz Omar Hassabala. C'est pour faciliter la tâche aux agents de l'État dans le processus d'élaboration des textes juridiques, administratifs et normatifs, ainsi que des règles et des principes que l'École nationale d'administration, en partenariat avec le projet d'appui à la justice au Tchad, phase 2, organise cet atelier de formation en logistique à l'intention des 30 agents de l'État venus des 19 ministères et ceux de l'ENA. Notre ambition au sein de l'École nationale d'administration est celle de faire de notre pays, avec son dispositif actuel, de disposer d'une administration performante. Une administration performante est efficace et des administrateurs irréprochables dans le cadre des services qu'ils offrent aux usagers. Durant 5 jours de formation, les agents de l'État auront à se familiariser avec les différentes étapes d'élaboration des textes juridiques en vue de renforcer leurs capacités. Dans le cadre de sa mission pour encourager les membres du bureau politique, le secrétaire général 3e adjoint du MPS, Jean-Bernard Padaré, était à Mundu. Il invite les militants à s'impliquer pour la réussite du fichier électoral. Nous reviendrons plus tard sur cet élément. Et nous poursuivons toujours à Doba, où la Fondation Grand Cœur a
organiser une rencontre avec la population locale. Nous suivons ce reportage avec Varé Ladi. Composé essentiellement des matériels de production agricole, des moyens roulants et ceux destinés pour les cultures maraîchères, ce don est un appui de la première dame Hinda Dibitnou à travers son organisation. Préoccupée par la lutte contre les inégalités sociales à travers le territoire national, elle met ses matériels à la disposition des femmes des groupements. Un geste qui entre dans le cadre de l'autonomisation de la femme, une préoccupation du gouvernement dont la Fondation Grand Cœur met en exergue. Ces matériels sont des appuis de la Fondation Grand Cœur. La présidente de cette organisation vous les offre gracieusement pour accroître vos rendements agricoles. Ces outils ne doivent pas se trouver au marché. Vous devriez le mettre à la disposition des membres des unions et groupements que vous dirigez respectivement. Des matériels disponibles, l'heure est à la traduction en acte de cette politique sociale de la Fondation Grand Cœur. Très engagés, les bénéficiaires, par la voix de leur porte-parole, se prononcent. L'émotion nous dépasse. Mais maintenant, là, on va s'organiser pour que ça, là, ça devienne la ration alimentaire des enfants, la scolarité des enfants à l'école, les frais médicaux, tout cela, ça va nous permettre et ça va nous avantager. Représentant le gouverneur de la province du Lougoun Oriental, le secrétaire général Adam Youssouf, a au nom de l'ensemble de la population présenté ses gratitudes à la donatrice. Pour lui, ce geste de la première dame, via son organisation, s'ajoute à la politique tant prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Et pour terminer ce journal, voici un communiqué sur la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 22 octobre 2020 qui se présente comme suit. 681 échantillons analysés, 6 cas confirmés, 4 au Moïchari, contact des précédents cas, 1 au Mandoul, contact d'un précédent cas, 1 à N'Djamena, 2 guéris portant le total de 1223, 0 décès, total des décès 96, 91 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1410 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. Le communiqué est signé du coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Oshemi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez prudents.